Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roberto Gauvin, enseignant retraité, éternel apprenant et entrepreneur d'école chez Edunovice. Roberto Gauvin, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher collègue? Ça va très bien, Marius, toi? Ça va super bien. C'est un bonheur d'avoir la chance de discuter avec toi. On est au beau milieu de l'hiver, encore. Le printemps s'en vient. On frappe à la porte du printemps, mais je te dis que ça bouge en éducation. Il y a des belles choses qui se produisent. Puis là, ce matin, les gens vont avoir la chance de peut-être prendre connaissance de c'est qui ça, Roberto Gauvin, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais aussi comment tu réfléchis, ta vision de l'éducation, puis en espérant que ça puisse contribuer là, aux différentes personnes, aux auditeurs qui prennent le temps de nous écouter ce matin. Bien, merci d'avoir pensé à moi. Hey, c'était un bonheur, vraiment. J'étais content que tu dises oui, tu sais. pour les gens qui ne te connaissent pas, là, présentement, t'es à quel endroit? Bien, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, donc j'habite un petit village qui s'appelle Lac Baker. Okay. Et puis, c'est un peu un parcours bizarre, un peu dans le sens que je suis né au Québec, okay. Mais je n'ai jamais vraiment habité là. J'ai peut-être arrivé au Nouveau-Brunswick, j'avais environ un an. J'ai resté au Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé une dizaine d'années au Manitoba, aussi à Winnipeg. Donc, j'ai fait un peu d'une place à l'autre. On peut dire que j'ai été nomade d'une couple d'années. Oui, c'est bon. On rencontre toutes sortes de personnes, j'imagine, à travers ça, puis ça façonne qui on devient. Là, présentement, t'es enseignant à la retraite? Oui, officiellement à la retraite depuis le mois de juin. Et puis, je te dirais que c'est après 32 ans de carrière. Ouais, c'est extraordinaire. Puis, ça se passe comment, c'est la retraite, jusqu'à date, là, la jeune retraite? Je te dirais que je pense que c'est un processus, la retraite. Donc, on peut avoir l'idée de se retirer à un moment donné, on peut prendre la décision, on peut avoir un idéal de qu'est-ce que ça va être, la retraite. Je te dirais, pour ma part, j'ai eu la chance de prendre en 2016 un congé sans solde pendant 6 mois, okay, avec mon épouse. Okay. Puis on a voyagé, puis on a vu à ce moment-là qu'on pouvait se retirer sans problème. Je suis un gars hyperactif de nature, donc je pense que la retraite, ça se prépare. Okay. Et puis moi, j'ai eu la chance, on vit en campagne, on vit sur le bord d'un lac, on est bien. Et puis, donc on a mis en place les éléments de faire en sorte qu'on passe une belle retraite agréable. Évidemment, on a 4 enfants, nos deux, donc tout ça fait en sorte qu'on a une sauce qui est en train de prendre et puis ça se passe, je te dirais que ça se passe très bien. Bon, c'est fantastique à entendre. Ils ont quel âge, vos beaux-enfants? Je te dirais le plus jeune, 18 ans, et puis ça va jusqu'à 25 ans. Okay. Et puis, donc, il y a toute la partie études, université. Donc, oui, il nous reste un garçon qui est à l'université présentement. Okay. Et puis, ça se passe vraiment bien aussi. Donc souvent, la vie, c'est des étapes. Oui. Et puis, je te dirais que la retraite, c'est tout simplement une étape. Et puis, je recommande la retraite à tout le monde jusqu'à présent. C'est une étape importante. Ça se prépare. Il faut se préparer, hein, parce que je veux dire, 32 ans d'éducation, ça peut couper sec si on ne le prépare pas. Puis en discutant avec toi, en se préparant à notre discussion de ce matin, je sais que tu es très occupé malgré le fait que tu es à retraite. Tu es où présentement? Là, justement, tu es dans une de ces journées chargées-là, là, dans ton horaire. Qu'est-ce qui se passe présentement pour Roberto Gauvin, le retraité, tu sais? Et littéralement, tu me prends en deux épisodes de travail présentement. Donc, nous, on avait fondé, puis quand je dis nous, c'est moi et mon épouse, on avait fondé une maison de consultation en éducation donc, qui s'appelle Edunovice. Okay. Et puis, Edunovice, qui est tout simplement un terme en latin qui dit la nouvelle éducation. Et puis, on avait mis les bases de cette entreprise-là, pas vraiment pour
travailler à temps plein parce que, évidemment, je ne me suis pas retiré pour travailler à temps plein, mais on avait mis les bases en place pour garder un pied en éducation. Et puis, Dani, mon épouse, elle a eu la chance aussi de développer, donc elle travaille présentement avec le ministère de l'Éducation pour un projet d'école internationale. Et puis, moi, j'accepte ici et là des petits contrats. Puis, je te dirais que sans faire aucune publicité, les gens réussissent à me rejoindre. Puis, c'est difficile des fois de dire non. Puis, j'ai été obligé de dire non, mais j'ai la chance maintenant de m'engager dans des projets qui m'intéressent, qui me tiennent à cœur. Okay. Et puis, ce matin, par exemple, je travaillais pour faire des présentations avec l'Université de Moncton en cybersécurité. Okay. Je travaille sur d'autres contrats à Edmundston avec les établissements de la région. Je travaille avec l'organisme Labo Créatif. Donc, j'essaie de m'impliquer dans des projets qui me tiennent à cœur, comme je te dis. C'est intéressant de voir qu'il y a encore des personnes qui ont envie d'entendre mes idées ou mes façons de faire, mais je pense qu'encore là, ce qui est plaisant maintenant pour moi, c'est pouvoir faire des choix. Absolument. Faire des choix puis dire non, c'est tellement difficile. Surtout quand on a des convictions. Wow! Donc, ça demande de faire des choix. Surtout à l'approche du printemps et de l'été. Là, j'imagine à la retraite, sur le bord d'un lac, ça ne doit pas être désagréable trop. Non, et puis comme je te disais, on prépare la retraite. Là, donc, moi, je suis un gars hyperactif de nature. Donc, évidemment, un exemple, je me suis acheté un skidoo. Je n'ai jamais fait de skidoo de ma vie. Mais là, j'ai trouvé une motoneige à un bon prix. Ça fait que là, je suis en train d'apprendre à faire de la motoneige. Ça fait que je me tiens, je suis curieux de nature, puis je pense que je l'ai toujours été. Et puis, le site où on demeure au lac, comme je te dis, il y a beaucoup d'opportunités au niveau du jardinage. On a hâte, par contre, de pouvoir commencer à voyager de nouveau, mais écoute, on prend notre mal en patience, puis pendant ce temps-là, on fait d'autres choses. OK. Et du novice, je suis allé visiter votre site. Il y a une vision derrière ça. Tu as des convictions, le but d'offrir tes services, même si tu n'en fais pas la promotion nécessairement, les gens te connaissent, le mot se passe, le bouche à oreille en éducation, c'est puissant. C'est quoi les convictions que tu as? Cette vision-là de l'éducation, en quelques mots, c'est quoi? Ça, en quoi tu crois? Tu sais, quand les gens font appel à Roberto, c'est parce qu'ils croient en quoi? Bien, je pense que ça a tout le temps été un peu la force du réseau, dans le sens que si on veut faire quelque chose, si on ne sait pas comment, si on n'a pas les ressources, il y a tout le temps une façon de joindre un réseau ou de nourrir notre réseau. Je ne sais pas si tu as vu notre leitmotiv ou notre vision, c'est d'assurer une posture d'innovation en éducation. Mm-hmm. Puis je pense que ça me décrit très bien comme leader, comme directeur d'école au cours des dernières années. Mon travail a tout le temps été d'adopter cette posture d'innovation-là pour faire en sorte que moi, comme personne, j'innove, mais aussi que j'encourage les gens autour de moi. Et puis, il y a quelqu'un qui me faisait rappeler hier que souvent, lorsque j'étais à la direction d'école, une de mes facilités, c'était de bousculer les idées, de questionner. On ne veut pas bousculer les gens, mais on veut vraiment prendre le temps pour se questionner, voir si c'est la meilleure façon de faire certaines choses, voir pourquoi on fait ça, voir pourquoi on ne le fait plus, et avoir cette posture d'innovation-là, pour moi, a fait en sorte que ça m'a permis d'avancer beaucoup, d'apprendre beaucoup. Et puis là, comme mot d'ordre de l'entreprise et du novice, bien, c'est qu'on offre cette posture d'innovation-là. Et puis, on a rajouté « voir plus loin ». Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur le logo, il y a aussi une girafe. Oui. Et ça, c'est un clin d'œil avec les quelques voyages en Afrique. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Kenya, au Sénégal, au Mali aussi pour faire toutes sortes de projets, puis dont deux de ces projets-là avec mon épouse. Donc ça nous a marqué beaucoup au Mali. Puis je te dirais que peu importe les endroits qu'on a visités sur la planète, il y a beaucoup de gens qui essaient d'innover en éducation. Puis il y a beaucoup de gens qui se plaignent souvent des mêmes bâtons dans les roues ou des mêmes problèmes ou des mêmes difficultés. Oui. Donc la girafe, c'était vraiment de voir, parce que moi, ça m'a beaucoup impressionné rencontrer les girafes lorsque j'étais au Kenya.
Ouais. Et puis, voir plus loin, bien évidemment, c'est un peu ma mission aussi, c'est de voir, oui, où on est tout de suite, mais on pourrait peut-être aller beaucoup plus loin avec les choses. Des fois, on est satisfait de où on est puis que tout va bien, mais des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait voir plus loin, est-ce qu'on pourrait innover davantage? Donc, une posture d'innovation, se questionner, tu as dit des mots super importants, on bouscule les idées, pas les personnes. Ça, c'est gros. Puis l'idée, c'est de voir plus loin. Donc, de toujours ne pas être satisfait de ce qu'on est en train de faire là. Pas parce que c'est pas assez bon, mais peut-être par désir de toujours faire ce qu'il y a de mieux. S'il y a mieux, pourquoi pas le faire? Donc, tu sais, voir plus loin, c'est une invitation, dans le fond, cette vision-là, à cheminer puis à être en mouvement. Là. C'est un peu ça. Parce que si j'ai une posture comme ça, si je comprends bien, c'est que l'idée, c'est pas de trouver la solution puis de la laminer puis de rester avec celle-là. C'est de toujours être à la recherche de... puis d'évoluer là-dedans. Là. Mais on dit souvent que la seule chose qui ne change pas, c'est qu'il y a du changement. Mm. Puis un petit peu comme dans les habitudes des personnes gagnantes, je pense que c'est Stephen Covey qui parle souvent, je crois que c'est l'habileté numéro 6, là, c'est faire du fine-tuning, là, c'est aiguiser nos scies. Là, c'est, ouais. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on a tendance des fois à penser que tout va bien, tout est rodé, mais des fois, il faut peut-être prendre un recul puis regarder est-ce qu'on en fait vraiment assez ou est-ce qu'on est comme confortable dans nos pantoufles puis est-ce qu'on n'a peut-être pas avantage justement à regarder de manière différente, à faire autrement. Non? C'est extraordinaire, l'idée de la girafe. J'aime beaucoup ça. L'idée de voir plus loin, c'est une image qu'on associe, pas la girafe, mais l'idée de voir plus loin, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup au leadership. Voir plus loin, anticiper, être proactif, avoir une vision systémique de l'éducation, mais voir au-delà des barrières actuelles qui parfois nous empêchent d'innover, puis de voir repenser aussi de façon systémique comment on fait l'éducation, comment on la vit. T'sais. Donc, c'est une belle invitation. Qu'est-ce qui vous avait amené à visiter l'Afrique à ce moment-là? Est-ce que c'était dans le but de voir comment ils faisaient l'éducation? Parce que toi, tu as fait le lien entre la girafe et tout ça, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous amenait là, à ce moment-là? Bien, je te dirais qu'à l'origine, je crois que c'était en 2008, où j'ai eu la chance de me rendre au Kenya avec un élève de l'école, et c'était pour présenter les projets innovants qui se passaient au centre d'apprentissage du Jomalawaska. Donc, je te dirais, moi... J'ai eu la chance d'aller en Europe et faire certains voyages, mais aller sur le territoire africain, c'était vraiment la première occasion. Et puis, je te dirais que ça m'a beaucoup marqué. Et puis, c'était un colloque. Donc, tout simplement, on s'est promené au Kenya comme ça. Et puis, on a eu la chance d'aller voir la jungle, d'aller voir les girafes, mais on a eu la chance de présenter ce qu'on faisait. Donc, une petite école rurale qui se rendait dans un colloque. Je crois que c'était le e-learning education à ce moment-là. Et puis, donc ça a été notre première porte d'entrée. On a été invité ensuite au Mali dans le cadre d'une initiative de jumelage. Donc, on était jumelé avec une école une école de Kalabankoura, tout près dans les quartiers de Bamako. Donc là, on devait travailler avec une enseignante d'une école à établir une classe virtuelle. Puis, je te dirais que c'était une grosse commande parce que c'était pas vraiment évident. Okay. Donc, on a eu la chance d'aller passer 2 semaines là-bas avec une enseignante. Et puis, à un moment donné, cette enseignante-là est venue au Canada. Alors, on a eu la chance de la revoir à ce moment-là. Puis au Sénégal, bien, c'était dans le cadre du sommet de la francophonie, où là, notre école, puis mon travail, on avait développé la radio des jeunes d'Acadipédia. Donc, Acadipédia, qui était un site où les jeunes pouvaient, par exemple, partager sur un wiki de collaboration, sur un blog, il y avait une radio étudiante. Donc, on a été présenté pour le Nouveau-Brunswick, le projet Acadipédia au Sénégal. OK. OK. Je comprends le contexte. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Parce que j'imagine, tu vas dans un voyage comme ça, tu prends conscience, tu vois la girafe, on est en 2008, et du novice, après 32 ans de carrière, s'appuie encore sur des choses qui viennent de là. Donc, ça t'a beaucoup influencé dans les 15 dernières années, mettons, là, en éducation, tout près d'eux. Qu'est-ce que tu as vu là-bas, de leur milieu d'éducation, que tu as ramené avec toi après ce voyage-là?
Bien, j'ai vu une résilience incroyable. Okay. Je te dirais que, OK, on pourrait comparer puis parler au niveau des facilités puis des écoles et le nombre d'élèves par classe. Et ça, pour moi, c'est secondaire. Là. Ouais. J'ai déjà personnellement enseigné des classes de 36 élèves. C'était fantastique. Puis j'ai eu des classes de 14 où c'était vraiment pas facile. Ouais. Donc on peut en parler de ça. Mais ce que je veux dire là-bas, c'est qu'il y a une résilience. Il y a le goût de vouloir bien faire, de réussir, d'offrir à leurs jeunes la meilleure éducation possible avec les moyens qu'ils ont. Une des choses que je me rappelle, c'est que j'ai vu autant de personnes heureuses en Afrique qu'on peut en voir ici au Canada. La vie est dure en Afrique. J'ai été témoin de différentes choses, mais ce que je veux dire, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que le questionnement que les enseignants africains que j'ai rencontrés ont sont à peu près les mêmes que les questionnements des enseignants qu'on a ici au Canada. Okay. Puis souvent on a tendance à peut-être voir un système par rapport à un autre, mais je te dirais que les enseignants qui veulent enseigner là, veulent vraiment faire une différence dans la vie des jeunes qui leur sont enseignés à chaque jour. Puis j'ai vu ça autant en Afrique que je l'ai vu au Canada. OK. Ah, c'est extraordinaire. Ça, je peux voir. Je n'ai jamais eu le privilège d'aller en Afrique. Mais de ce que je peux voir un peu dans les différents milieux au Canada que j'ai la chance d'accompagner présentement, c'est que chaque milieu est unique, mais les mêmes choses reviennent. Tu sais. C'est oui. Différent partout. Oh oui. C'est différent partout, mais c'est partout pareil. Donc, je me reconnais dans ce que tu viens de nous partager. Donc, tu as parlé de quelque chose qui est quand même gros, qui est au cœur de l'éducation, c'est que les gens qui ont le goût, les gens qui ont le désir. Toi, avec Edunovice, tu veux amener les gens à développer une posture d'innovation en éducation et voir plus loin. Comment on s'y prend pour amener les gens à avoir le goût? Parce que le comment le faire par après, c'est peut-être plus simple que de créer le désir puis de créer le besoin aussi. Dans ton vécu, parce que tu as essayé plein de choses, tu as réussi plusieurs fois. Comment on s'y prend pour créer le désir d'innover? Comment on fait pour brasser des idées puis pas les personnes, tu sais, dans le fond, là? Ben, je te dirais que, tu sais, ton commentaire que j'ai réussi, ça peut dépendre à qui on parle aussi, ouais, parce que t'as des gens qui regardent ce qu'on a fait. Puis moi, j'ai tout le temps pensé que le centre d'apprentissage ou l'école où j'étais à la direction, c'était comme un gros laboratoire. Okay. Mais je sais que tu as posé ta question pour Edunovice, puis je te dirais que basé sur mon expérience en administration scolaire surtout, mais aussi comme enseignant, parce que j'ai eu la chance à Winnipeg, par exemple, j'ai été enseignant en immersion, j'ai été enseignant de sciences, j'ai été chef de département, okay, directeur adjoint d'une école secondaire. Donc j'ai eu la chance de toucher à plusieurs milieux différents. Puis ce qui ressort, c'est je crois que j'ai développé mon style de gestion par rapport à ce qui fonctionnait le mieux, pour moi en tout cas. Et puis si tu me demandes la clé, ou des fois les gens me demandent c'est quoi la clé, tout revient à la culture organisationnelle où tu travailles. Donc, ouais, est-ce que par exemple les gens, on leur fait confiance? Puis là, souvent les gens vont dire, oh oui, ici dans notre milieu, on fait confiance aux gens. OK, mais est-ce que ça se transmet dans les actions du quotidien? Je donne un exemple. Souvent, on veut, par exemple, que nos enseignants innovent ou qu'ils adoptent de nouvelles approches, mais on veut pas vraiment qu'ils fassent d'erreurs. Donc là, c'est sûr que ça marche. Oui, ben c'est ça. Puis les enseignants, ben, sont brillants. Ils savent bien que s'ils font une erreur, puis ils savent qu'ils se font taper sur les doigts, ben, on ne fera pas la même erreur deux fois. Là. Donc, à un moment donné, ils jouent le jeu. Puis entre moi et toi, tu sais qu'un enseignant qui s'en va dans sa salle de classe puis qui ferme la porte, il peut techniquement faire ce qu'il veut. Donc, moi, ça a toujours été important avec les enseignants, puis je dis enseignants, mais c'est pas juste les enseignants parce qu'une école a beaucoup plus que les enseignants, mais avec les gens avec qui je travaillais, ça a tout le temps été primordial de créer des liens puis de bâtir un sentiment de confiance avec ces gens-là. Okay. Je te dis pas que c'est 100% facile à faire puis que j'ai réussi avec tout le monde. Mais ce qui a tout le temps été important pour moi de dire à quelqu'un, écoute, je te fais confiance, tu es la personne désignée pour ce travail-là, puis
je sais que je peux te faire confiance par rapport à ça. Puis si la personne se trompe ou si la personne fait quelque chose, des fois, comme c'est pas comme on aimerait ou c'est pas comme ça devrait être, bien, c'est comment est-ce qu'on entre en relation avec cette personne-là pour avoir la discussion pour que les choses changent ou s'améliorent. Ouais. Et puis encore là, c'est tout le temps, je reviens à la culture organisationnelle, c'est que j'ai travaillé avec des gens, puis dans ma carrière, j'ai travaillé par exemple avec des fonctionnaires de l'éducation, j'ai travaillé avec les meilleurs, puis j'aurais peut-être pas dire, mais avec les pires aussi, dans le sens qu'il y a des gens que pour eux, le succès d'un travail bien fait ou d'une culture, c'est le contrôle. Donc, si on se lève le matin puis on contrôle les gens, puis il n'y a personne en retard, à telle heure, tous les gens ont passé la porte de la classe, puis pire encore, à la fin de la journée, tout le monde sort en même temps, bien, eux, pour eux, c'est une marque de succès. Non? Moi, c'est un peu le contraire. Autant que ça pouvait être différent, comme moi je fais confiance aux enseignants, dans le sens que j'avais des enseignants, par exemple, qui étaient parents de jeunes enfants, puis je sais comment c'est. Tu dois aller chercher les enfants à la garderie, tu dois les préparer, souvent tu as les sports, le hockey, ces choses-là, mais je sais que si mes enseignants quittaient tôt, à la fin de la journée scolaire, puis la loi, c'était comme jamais avant les autobus, bien, je sais qu'ils vont probablement se rendre à la maison, se mettre en pyjama puis corriger le restant de la soirée. Donc, qu'ils fassent ça à l'école ou qu'ils le fassent à la maison, je sais qu'ils vont le faire. Puis s'ils le font pas, bien, c'est leur problème à eux aussi. Donc tu sais, je te donne un autre exemple. À un moment donné, j'ai eu un téléphone d'un fonctionnaire qui me demandait c'était quoi ma politique pour la sortie à l'extérieur lorsqu'il fait froid. Bien, j'ai dit, on n'en a pas. Mais il dit, c'est pas possible, il faut que tu aies une politique qui fait en sorte que... Ben, je dis non, je dis, moi, je fais confiance aux surveillants dehors que si c'est trop froid pour les élèves, il va les rentrer en dedans. Donc, je n'ai pas besoin de dire que c'est à moins 14 ou que c'est à moins 15, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il fait moins 14, mais il vente beaucoup dehors, puis les gens décident de rester parce que ce n'est pas encore moins 15. Donc, à un moment donné, on crée un système avec toutes sortes de règles, toutes sortes de principes bizarres qui font en sorte que ça fonctionne plus ou moins. Puis là, tout d'un coup, il y a un prof qui décide de rentrer les élèves à moins 8. Puis là, ils vont dire, ouais, mais là, il n'a pas suivi la politique. Bien, je dis, ouais, mais lui, il surveille les élèves. Qu'il les surveille en dedans ou qu'il les surveille dehors, il a pris la bonne décision. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout le temps essayer de contrôler et avoir des livres de politique à plus finir qui sont épais. Puis qui, à un moment donné, je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui, en passant, on les paye très bien à faire leur travail. Donc, ils devraient être capables de prendre ces décisions-là. Donc, dans le fond, voir l'éducation autrement ou tu sais, faire l'éducation autrement, voir plus loin, c'est de mettre l'accent, selon toi, sur les choses qui sont invisibles, dans le fond. Pas juste de contrôler des comportements observables puis de faire respecter des manuels de directives, mais c'est plutôt d'atteindre ensemble les objectifs qu'on tente d'atteindre, qui est, dans le fond, on travaille au service des personnes. Oui, mais je te dirais que c'est en misant sur les forces de chacun. Ouais. Dans le sens que moi quand je suis arrivé à direction d'école, je n'ai pas choisi mon équipe. Je ne suis pas comme Marc Bergevin là, où on peut aller faire des échanges puis aller chercher. Tu sais, on n'a pas de cap salarial, des choses comme ça. Là. Donc, moi, j'ai arrivé dans mon équipe et j'ai hérité de l'équipe que j'avais. Puis inversement, eux ont hérité de moi parce qu'eux aussi étaient pognés avec moi. Fait que, comment est-ce qu'on va vivre ensemble pour faire en sorte qu'on va pouvoir offrir le meilleur service d'éducation possible à nos jeunes? Donc, la première journée que j'ai rencontré mon équipe, on est parti faire du canot pendant une journée. OK. Puis l'allégorie là-dedans ou l'image que je voulais projeter, c'est que pour avancer en canot, puis on était chanceux parce qu'on avait une base de plein air pas loin avec des grands canots qu'on appelle des arabascas, je pense. Okay. Et puis tout le monde était embarqué là-dedans. Puis l'image, c'était que si on veut que ça avance, il faut qu'on rame en même temps. Ouais. Puis je te dirais que même après 15-20 ans, il y a encore des personnes qui me le rappelaient de temps en temps ou qui l'utilisaient pour dire que, tu sais, aujourd'hui, ça fait peut-être pas mon affaire de ramer, mais on va quand même ramer ensemble parce qu'on veut aller dans la même direction. Ouais. Une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a été tiré de l'arc. Puis à un moment donné, j'ai dit, on l'a pas fait, là, mais j'ai dit, imaginez si on se met à tirer de l'arc d'un bord puis de l'autre.
Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'atteindre la même cible. Mm. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des flèches qui ne se rendaient pas, puis il y a des flèches qui allaient en plein milieu. Puis un peu, dans notre travail, c'est un peu comme ça. Je pense que moi, mon rôle de leader, c'est de fixer ou de proposer des cibles à atteindre. Et puis les gens, on est là à essayer de viser la cible. On ne tire pas partout dans les airs, puis à recevoir les flèches sur la tête, là. On essaie de viser un but commun, une cible commune. Il y a tellement un beau parallèle avec ce que tu es en train de nous partager. Il y en a plein, là, avec le canot, le tir à l'arc. Mais je me dis aussi, avec le tir à l'arc, on peut se dire que tout le monde, on tire l'arc. Tout le monde tirait sa flèche. Il y en a qui ne se rendent pas. Il y en a qui se rendent en plein milieu. Puis c'est un peu ça l'effet leader, l'effet enseignant en éducation. C'est que tout le monde exerce sa profession. Tout le monde tire sa flèche. Il y en a qui frappent le bullseye, il y en a d'autres qui arrivent à court. On a besoin de ramer ensemble pour s'entraider là-dedans, pour que tout le monde soit capable de frapper à cible éventuellement. Tu sais, c'est pas parce que je me présente dans une école que je fais le rôle qu'on me donne que j'atteins nécessairement la cible automatiquement. Puis, tu parlais de l'importance du réseau. Ouais, je te dirais aussi, Marius, que les autres apprennent aussi au regard des autres. Ouais. Donc, quand tu vois quelqu'un atteindre sa cible coup après coup, là, souvent tu vas voir cette personne-là pour te dire, écoute, je dois faire de quoi de mal, là. Ouais. Je te regarde lancer, puis j'aimerais lancer comme toi. Mm. Donc, veux pas, on parle de la force du réseau, c'est ça. C'est que ouais. Si on n'a pas les réponses, si on n'a pas la bonne façon de faire, je vais me rappeler une histoire drôle. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était en immersion à Saint-Jean, et puis je travaillais dans une classe, je venais d'arriver, puis c'était vraiment pas facile. Puis j'ai parlé à mon épouse qui enseignait dans la même école à ce moment-là. On n'était pas mariés à ce moment-là ensemble, mais elle enseignait dans une autre classe. Puis je lui ai dit, écoute, Danny, je pense que je fais de quoi de mal parce que les élèves répondent pas vraiment bien à ce que je fais. Et puis elle dit, ben gars, c'est facile. Prends ma classe, puis moi, je vais prendre ta classe, puis on va échanger. Ça fait que j'arrive dans la classe à Danny, je commence à enseigner, puis je vais toujours me rappeler toute ma vie. Ça faisait peut-être un mois que j'enseignais. Il y a une petite fille qui lève sa main, elle dit en anglais, « Why are you yelling at us? Pourquoi tu cries à nous autres? » Puis, j'avais jamais réalisé, mais je parlais trop fort. Il n'y a personne qui avait pris le temps de me le dire. Et puis j'ai appris ça. Puis, ça a l'air vraiment pas important, mais au contraire. J'ai retourné dans ma classe, puis j'ai mis ça en pratique, puis j'ai arrêté de parler fort. Mm. Et puis souvent, c'est des petites choses comme ça qu'on n'apprend peut-être pas à l'université ou qu'on réalise pas, mais ouais. En travaillant avec on des gens. Pas. Puis, on se voit pas. Oui, puis ayant aussi, ouais, ben c'est ça, on a tous des horaires qui sont occupés aussi. Puis généralement, quand je suis en classe, tout le monde est en classe. Ouais. Mais c'est d'offrir des opportunités, mais aussi d'avoir la confiance. Comme moi, j'ai eu confiance à aller voir Danny puis lui dire qu'il se passe quelque chose, puis comme j'ai besoin d'aide. Tu comprends? Ah, absolument. J'avais pas peur de sa réponse, ou j'avais pas peur qu'elle me juge. Ouais. Donc, cet élément de confiance-là est super important parce que je te dirais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui rentrent le matin à l'école sans savoir trop tôt comment la journée va se passer, puis ils sont en mode survie. Et puis ouais, ça c'est ouais. Vraiment pas un bon sentiment. T'sais, ça peut arriver à l'occasion de temps en temps, là, mais si tu fonctionnes comme ça à tous les jours, je souhaite pas ça à personne. Non, pas du tout. Puis peut-être que ce qui précède le droit à l'erreur, c'est le droit de ne pas savoir. Le droit de, ben oui. D'avoir besoin d'aide. Puis comme tu dis, moi aussi, dans mon vécu, j'ai remarqué ça, puis j'ai été cet enseignant-là. C'est que quand tu vis une difficulté ou si t'es en mode survie, la tendance, c'est pas d'aller demander de l'aide, c'est de se replier et de s'isoler. Puis c'est la pire chose qu'on puisse faire, là. Vraiment. Puis encore plus dans un endroit, comme c'est difficile dans un endroit où il y a des liens de confiance déjà établis, oui. Mais c'est encore pire dans un endroit où c'est pas bien vu, oui. c'est vu comme une faiblesse oui. D'avouer qu'on sait pas quelque chose. Oui. Donc, puis je pense pas que les gens ont des mauvaises intentions en faisant ça. Non. Je pense que c'est des fois, il faut juste le réaliser, il faut être à l'écoute des gens aussi. Ouais. Puis comme souvent, je parlais tout à l'heure, on demande aux gens d'innover. Puis moi, j'ai des directions qui m'appelaient. Roberto, je comprends pas, mes enseignants, on leur achète de l'équipement, mais ils l'utilisent pas avec les élèves. Ben, j'ai dit, est-ce que tu as changé
ta culture. Est-ce que la démarche d'enseignement de l'enseignant a changé? Parce que si l'enseignant essaie encore d'enseigner de la même façon qu'il faisait avant, bien, les chansons, qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Absolument. Il faut passer par les adultes. Puis je me dis ce que tu décrivais tantôt. S'il n'y a pas de climat de confiance, si on n'a pas le droit à l'erreur entre nous, s'il faut, dans le fond, avoir l'air d'être au-dessus de nos affaires, bien, ça se reflète dans la pédagogie qu'on dispense, puis dans comment on amène les élèves. Eux, la place de l'erreur pour les élèves, elle est où là-dedans? Parce que je me dis, pour innover en éducation, il faut que l'élève, lui aussi, ait le droit de faire des erreurs, puis qu'il se sente à l'aise de le faire, puis pas niaiseux de faire des erreurs. Tu sais, c'est normal. Ça veut dire qu'on essaye. Puis moi, je te dirais que mon expérience avec ça, c'est que si tu la bâtis, cette culture-là, avec ton personnel, elle va se transposer avec les élèves, elle va se transposer avec la communauté, elle va s'élargir dans le sens, ça va être qui nous sommes. Ouais. Tu sais, puis à un moment donné, je me rappelle, on avait des fois des enseignants qui venaient de d'autres écoles, qui venaient travailler chez nous pour un 6 mois ou un an ou un changement de contrat ou quelque chose comme ça. Puis je vais tout le temps me rappeler que ces personnes-là, une des choses qu'ils nous disaient, c'est qu'ils se sentaient accueillis. Donc, le prof qui travaillait, qui était le collègue de classe de cette personne-là, souvent offrait de partager des documents, de donner son numéro de photocopie au besoin. Puis là, les enseignants nous regardaient et disaient, « Ouais, mais c'est pas possible. Comme vous faites ça, pourquoi? » Ben, on le fait parce qu'on veut t'aider. Parce que si toi, tu es bien ici, nos élèves vont être bien. Donc, finalement, c'est de développer cet esprit de petite communauté à l'intérieur de l'école aussi. Oui. La communauté, tellement important. J'ai le goût qu'on arrive à peut-être parler de Claire. Moi, je t'ai rencontré là. Bien, dans le fond, je t'ai rencontré dans le numérique, grâce au numérique. Ouais. J'étais à l'époque coordonnateur responsable de l'intégration des compétences du 21e siècle. Super long titre. Ça a fait rire bien du monde. Mais c'était à l'époque où le réseau scolaire en Ontario se posait la question, est-ce qu'on fait rentrer le Wi-Fi partout? Qu'est-ce que ça va changer dans notre mission, dans le code de vie et tout ça? 2009-2010, dans ce coin-là. Tu es allé en Afrique en 2008, tu as rencontré la girafe, tu as dit, il faut voir plus loin. Puis moi, le slogan, en tout cas, de Claire, c'était voir l'éducation autrement. Et puis, ça serait intéressant. J'ai eu la chance d'y aller 4 fois au fil de ma carrière. Je n'ai pas vu toutes les éditions. Mais toi, tu as vu ça de l'intérieur parce que tu as initié ça avec ton équipe, tu sais, voir l'éducation autrement. Peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé ça, l'idée de créer un événement comme celui-là? Puis, tu sais, ça vient d'où, voir différemment, puis on va faire quelque chose qui va être ouvert à pas juste notre gang au Nouveau-Brunswick, mais du monde de partout, là, parce qu'il y a des gens de partout là, qui ont participé à ça. Là, donc, Je te dirais que à Claire, ce qui était une de mes plus grandes fiertés, c'était qu'on avait à Claire la masse critique des enseignants francophones qui veulent que ça change, que ça bouge en éducation. Okay. Donc, je te dirais que la dernière année, si je ne me trompe pas, on a vendu les 350 billets en 9 minutes. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, oui. je connais des gros rats qui aimeraient faire la même performance. Et puis, je pense que c'était plus vite que les Beatles, je pense. Et puis toi, tu disais que tu es venu 4 fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont venu une fois, puis ils ont essayé de revenir, puis ils n'ont pas pu. Oui, mais oui. Ce que je te dirais, c'était que ça a commencé autour de 2008-2009. Puis on parle souvent de la force du réseau. Mais à un moment donné, j'ai reçu une invitation de mon bon ami Mario Asselin. Oui. Et puis Mario était en train d'organiser une délégation de 4 écoles du Québec, qui en passant étaient 4 écoles privées au Québec qui faisaient des choses d'innovation, dont l'école de Mario avec le blog scolaire. Okay. Nous, on avait développé différents projets. On faisait partie de l'initiative de l'utilisation des ordinateurs portables du Nouveau-Brunswick à ce moment-là. On avait un projet de blog aussi. Donc, Mario m'a invité à me joindre à la délégation en compagnie de 2 élèves de l'école. Donc, on a dit oui tout de suite. On a embarqué dans cette aventure-là, puis on s'est retrouvé à un petit village dans les Vercors en France qui s'appelle Autran.
Et puis, je te dirais que c'est un tout petit village. Et puis, ça ressemble beaucoup à Claire sur plusieurs aspects. On était perdu au milieu des montagnes. Okay. Et puis, à un moment donné, on a fait une bonne impression. On a fait des présentations sur nos projets. Puis ça, je pense que ça a été bien accueilli en France. Et j'ai vu là un modèle intéressant d'échanger, de partager. Mais il se passait au même moment aux États-Unis la conférence EDUCON qui était à Philadelphie. Et puis, avec le Science Learning Academy, qui est une école là-bas. Et puis, donc ça se passait un colloque comme ça, puis il y avait beaucoup de gens qui se présentaient à ce colloque-là. Puis, dans un billet, j'avais écrit à un moment donné, puis je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose comme, ça serait vraiment intéressant d'avoir quelque chose comme ça pour les francophones. À quand un éducon francophone? Wow! Et puis là, je te dirais que le feu a pris. Tout le monde a commencé à envoyer des courriels, des messages. Écoute, si tu organises de quoi, on veut t'aider, on veut être là, on pense que c'est une bonne idée. Je te dirais probablement que les planètes étaient bien alignées à ce moment-là. Okay. Il n'y avait pas beaucoup de conférences comme le colloque de Claire. Okay. Puis, je m'explique dans le sens que tu pourras confirmer. C'est au colloque de Claire, il n'y a pas, par exemple, de salon de vendeur. Non. Tu sais, on ne peut pas acheter des robots, on peut pas, on n'a pas ça, cet aspect-là commercial de certains colocs. Tu sais, moi, je me rappelle avoir été dans des colocs puis passer dans un labyrinthe de vendeurs pour aller me chercher un bain puis un café. Tu sais. Ça fait que nous, à Claire, on voulait vraiment pas que ce soit comme ça. On pouvait pas compétitionner avec des villes comme Montréal ou Québec. On n'a pas d'infrastructure pour accueillir les gens comme ça. Donc, il fallait vraiment miser sur notre accueil. Donc, toute la communauté a décidé d'embarquer. Puis, je te dirais que ça n'a peut-être pas été facile au début. Les gens n'avaient peut-être pas une représentation de c'était quoi organiser un colloque international ou accueillir des gens comme ça dans la communauté. Mais je te dirais qu'après un an ou deux, les gens ont embarqué. C'était incroyable avec les gens qui même à un moment donné, il fallait quasiment comme refuser des bénévoles parce qu'on ne pouvait pas gérer tous ces gens-là. Je te dirais que le premier colloque qui a eu lieu en 2010, pour faire exprès, le matin que le colloque commençait, il y a eu une tempête de neige. Ah. Donc, On avait le soir avant, on avait Mark Prinsky qui venait faire une conférence. On a été le chercher en 4x4 à un petit aéroport aux États-Unis, pas l'autre bord de la frontière. Et c'est des amis qui ont fait ça pour moi bénévolement. On a reçu une voiture d'une compagnie de voitures à Edmundston, puis on a été le chercher. Il est arrivé, je te dirais, 15-20 minutes avant le début de sa conférence. Il a juste eu le temps de se changer et faire sa conférence. Le lendemain, bien, il y a eu la tempête de neige, donc les écoles partout au nord-ouest étaient fermées, sauf l'école de Claire, parce qu'on se disait que tous les gens étaient déjà rendus sur place, donc c'était beaucoup comme les gens voulaient participer. Mais le moment magique de cette journée-là a été qu'on a annoncé à la radio que le colloque avait lieu quand même et que les parents qui voulaient déposer leur enfant à l'école pouvaient le faire, puis que nous, on allait s'occuper d'eux, ils allaient avoir le repas et tout ça. Et je te dirais qu'il y a 50-60 élèves qui se sont présentés sur 200, et puis on en aurait eu beaucoup plus si on avait eu une façon de les transporter. Okay. Et puis, tous les membres du personnel, même s'ils étaient en congé cette journée-là, tous les membres du personnel, enseignants et non-enseignants, se sont présentés à l'école pour donner un coup de main au colloque. Donc, moi, je me rappelle encore, j'étais en avant, puis il fallait avoir un plan B puis un plan C, puis on s'est organisé à la gang. Mais c'est juste que je me rappelle encore que c'est un des beaux moments de ma carrière parce que je me rappelle lorsque j'étais en avant en train de préparer le colloque et tout ça, tous les membres du personnel, les élèves ont entré à l'arrière du gymnase puis m'ont regardé en faisant « on est prêt, on peut aller de l'avant ». Puis à ce moment-là, il y avait une visite des classes et des différents projets scolaires. Oui. Donc c'est pour dire que les gens qui ont participé, je pense que ça a eu un impact sur eux, puis ils ont dit « wow, la communauté, les jeunes sont tellement engagés que même pendant une journée de tempête, ils sont prêts à venir à l'école. Oui. » Et puis je te dirais que ça l'a levé par rapport à ça. Par rapport au thème « voir l'éducation autrement », ben on se faisait souvent dire, nous, les innovateurs, qu'on ne faisait pas les choses comme ça devait être fait. C'était tout le temps autrement. Le mot reflète souvent. Oui. Juste pour revenir sur ce que tu disais, la communauté, moi, les premiers mots que j'ai dit à mes collègues, à la première fois que j'ai participé, je ne sais pas si j'étais là en 2010. Je ne me souviens pas si je l'ai vu à distance.
M. Prinsky ou si c'est en personne. Mais en tout cas, la première fois que je suis rentré dans le hall d'entrée à l'école, je me suis dit, waouh, c'est une expérience culturelle. Mm. Je sentais qu'on vivait une expérience en construction identitaire. Il y avait une madame qui était là, pas loin, qui faisait de la ploye. Il y avait des élèves qui jouaient de la musique. Je me dis, oh, t'es un petit peu, on n'est pas dans un colloque comme d'habitude, là, comme tu dis, là, tu sais. Mais en tout cas, je voulais juste amener ça parce que c'est le ressenti, puis l'accueil, puis l'implication de la communauté. On le sait que c'est pas l'affaire, c'est pas le projet d'une personne. C'est nous. Il y avait un nous derrière ça. Tu sais, il y avait une culture d'innovation qui était là, là. C'est comme le préalable à ça, là. Ouais. Je voulais amener ça parce que c'est important. Et c'est le fun que tu le mentionnes parce que souvent, les gens qui venaient visiter l'école en dehors du colloque, ça leur prend à peu près 25-30 secondes pour dire « je me sens bien ici ». Ça fait que moi, c'était un beau compliment. Ouais. Puis un autre beau compliment que les gens pouvaient faire, c'était je te dirais que l'école ne ressemble pas à lorsque moi, je suis allé à l'école. Ça fait que moi, je me disais ben, « ça veut dire qu'on a réussi à faire autrement si… Ouais. » si leur point de repère du passé, ils ne les voient pas ici. Oui, oui. Vraiment. Fait que tu allais dire voir l'éducation autrement, peut-être au-delà de l'implication, puis de dire ben tout le monde était là. Vous avez eu un petit challenge au début pour faire certain. Êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? Là, parce que c'est votre premier, puis ça ne sera pas le dernier. Vous ne le saviez pas à ce moment-là. Là, mais l'idée de voir l'éducation autrement, comment ça s'est déroulé par après ça, au-delà de la tempête, puis de tout ça? Bien, je te dirais qu'on était probablement un petit peu naïf au travers de tout ça, dans le sens que. On savait pas trop dans quoi on se lançait. Tu sais, on voulait faire un colloque. Puis, mais je te dirais qu'avec le temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait ce besoin-là des gens qui innovent de se rencontrer. Ouais. Parce que souvent, l'innovation, comment ça se passe dans plusieurs écoles, c'est le groupe de 2-3 personnes dans un coin ou 2-3 collègues qui ne parlent pas trop fort parce qu'ils ne veulent pas se faire mettre des bâtons dans les roues par d'autres. Donc, on a tendance à innover seul ou en petite gang, ou on a tendance à avoir l'impression qu'on est juste, on est les seuls bizarres dans la gang. Là. Tandis que quand on se rencontre à Claire, on réalise assez rapidement qu'il y a beaucoup de monde qui veulent voir l'éducation autrement. Il y a beaucoup de monde qui se questionne, puis comme on a dit tout à l'heure, on se pose à peu près les mêmes questions. Oui, donc, lorsqu'on a la chance de se rencontrer, on ne règle pas les problèmes de tout le monde on ne trouve pas toutes les solutions, mais on est en réseau. Puis je te dirais, ce qui c'était vraiment amusant ou intéressant avec le colloque, c'est que ça se poursuit sur Twitter longtemps avant le début du colloque, mais aussi après le colloque. Donc, il y a des gens qui se mettent en réseau, puis j'entends des histoires avec des directions d'école qui m'appelaient, puis ils me disaient, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au colloque, mais mon enseignant est revenu transformé. J'ai une histoire d'un enseignant qui, sur le chemin du retour, pendant que son ami conduisait, avait les cartables ouverts, puis était en train de changer sa façon d'enseigner pour que lundi matin, il soit prêt. Ouais. C'est des choses qui sont super intéressantes d'avoir pu avoir un impact comme ça. Je pense qu'on ne le réalisait pas au départ ou au début. Moi, ça a eu. Je te dirais que. Moi, ça a eu l'effet. Oui. Ça a eu un effet de boîte de Lego. Ça a eu un effet de clarté parce qu'on peut voir que ça peut être fait autrement, on espère. Puis là, bien, on est buté à notre première étape. Comment on commence à brasser des idées sans brasser les personnes, puis se rendre à l'actualisation du autrement. Moi, ce que ça a eu comme impact la première fois, c'était de... Je voyais l'image sur la boîte de Lego, tu sais. Il y a différents morceaux que je voyais, mais là, j'étais quand même capable de voir ça pouvait ressembler à quoi. Puis je savais que chez nous, ça pourrait pas être clair, parce que clair, c'est unique. Non, mais c'est l'histoire d'une culture, d'un milieu, mais ça pourrait être notre version, notre clair à nous. Puis je suis reparti avec cette image-là, puis je me dis, OK, c'est possible. C'est pas juste du monde des crinqués. C'est possible. Puis tu as dit quelque chose de super important. L'innovation, c'est pas l'affaire d'un comité, c'est une culture. Donc, si on commence avec un comité, c'est le point de départ. L'idée, c'est que ce soit pas juste l'affaire du comité. C'est pas un dossier en silo, c'est qui nous sommes, là.
Ouais, ben un peu comme Ken Robinson disait, à un moment donné, il faut faire des actions, mais il faut que ça entraîne un mouvement c'est ça. Si on veut avoir une révolution. Là. Ouais. Et puis, l'autre affaire, je te le dirais, c'est qu'il a fallu être conscient assez rapidement que venir à Claire, c'est sûr que ça pouvait avoir l'effet d'être heureux, puis wow, puis c'est fantastique. Oui, kumbaya. Ça pouvait avoir l'effet ça peut avoir un effet contraire dans le sens que les gens étaient inquiets, dans le sens qu'on ne pourra jamais faire tout ça. Mm. Puis moi, ce que je leur disais, ben, tu sais, il faut ramper avant de marcher, avant de courir. Ouais. Puis il faut commencer avec les forces du milieu. Mm. Puis tu sais, à l'école, dans notre mission d'école, ça a tout le temps été de développer la force et les talents des gens, mais pas seulement des élèves, aussi des adultes. Donc, en faisant ça, à ce moment-là, on peut rapidement avoir des petits succès sur certaines affaires. Puis là, à un moment donné, ça fait un effet d'entraînement. Avec la vague des labos créatifs, si tu me demandais comment on a trouvé notre expérience des labos créatifs entre la première année et la dernière année, je t'aurais dit que jamais dans la dernière année, j'aurais pu imaginer, espérer d'avoir fait tant de choses. Tu comprends? Ouais, ça fait ouais. que souvent, on a une idée de ce qu'on veut aller. C'est un peu comme aller en voyage dans le sud. Là. Tu sais, on a des photos de l'hôtel puis de la plage, puis on espère que ça va être bien, mais une fois rendu là, on voit quelque chose de différent, puis des fois, il va mouiller pendant 7 jours. Ouais, ouais. Ben, tu sais, puis encore là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Ouais. Tu sais, tu peux être là puis te morfondre pendant 7 jours parce qu'il pleut, ou autrement, tu peux trouver des activités à faire quand même qui vont être intéressantes, qui vont te permettre de faire autre chose. Puis je te dirais aussi que ce que le colloque a fait, je pense, c'est donner des points de repère à des personnes qui n'étaient pas sûres. Tu parlais de ta boîte de Lego. Ouais. C'est pas pour rien que le logo de Claire était le phare. Ouais. Donc, tu sais, puis un phare qui bouge, il y a personne qui veut faire confiance à ça. Hein. Non. Donc, un phare, pour faire confiance au phare, il faut qu'il soit ancré dans le sol, ouais. faut qu'il soit solide, ouais. faut pas qu'il bouge même pendant la tempête. Ouais. Donc, c'est un peu l'image qu'en éducation, on a besoin de phares comme ça pour nous aider, pour nous enligner, pour nous sécuriser aussi. Ouais. Puis le phare, on le voit pas tout le temps, mais on sait qu'il est là. Oui. Ah, c'est vrai, c'est une belle image. C'est très parlant. Très parlant, puis oui, le phare, puis il faut juste s'entendre sur ce que c'est le phare pour nous. Qu'est-ce qu'on vise dans le fond avec notre arc, là? Parce que si on ne vise pas la même chose, on tire partout puis on s'en rend pas compte. Donc, il y a un souci de cohérence. J'ai le goût de regarder, de voir clair plus loin, voir de haut. Si on pouvait, si tu pouvais, parce que toi, tu as vécu ça de l'intérieur, il y a eu une évolution, j'imagine, ou des étapes importantes dans ce que c'est devenu. Peux-tu nous parler de ça, si on pouvait parler peut-être des phases ou des étapes qui caractérisent l'évolution de ce colloque-là, ce que c'est devenu pour les gens qui y participaient, ça serait quoi ces phases-là ou ces étapes-là? Je te dirais qu'au début du colloque en 2010, les gens venaient, puis 2010, 2011, 2012, les gens venaient beaucoup pour la technologie. Ouais. Ils voulaient voir les robots, ils voulaient voir la technique, ils voulaient voir les projets qu'on faisait, ils voulaient toucher à des choses, ils voulaient toucher à du matériel. Je te dirais que même, on s'est fait reprocher à un moment donné de pas avoir les vendeurs sur place parce qu'il y a des gens qui auraient aimé repartir avec des kits de robots ou des choses comme ça. Puis nous, inconsciemment, c'était pas vraiment ça qui était important. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'était que dans la démarche qu'on avait utilisée, qui était l'utilisation des nouvelles technologies chez nous, on avait une démarche qui faisait en sorte que les élèves développaient plein de compétences. Puis finalement, puis au début, je me rappellerai toujours, c'est qu'on avait tendance à vouloir encadrer les jeunes lorsqu'ils présentaient différents projets. On a vite réalisé qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Je te dirais qu'après le deuxième, troisième colloque, là, tous les adultes chez nous à l'école reculaient, puis on laissait les élèves présenter, parce que ça, c'est une autre chose unique par rapport au colloque à Claire, c'est que les gens entraient dans les salles de classe voir les projets du quotidien des élèves. C'est donc, extraordinaire. On parlait avec de vrais élèves. Ouais. On pouvait les questionner, puis tu sais, c'était pas, tu sais, on a une expression par chez nous, un show de boucan, tu sais, on essayait vraiment que les élèves soient au cœur du colloque. Ouais. Puis je te dirais, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a donné une synergie incroyable, parce que là, tout d'un coup, c'est plus nous, les adultes, qui conduisaient les projets
technopédagogique au fil des années à venir. C'était les jeunes qui nous poussaient, puis qui arrivaient au mois d'août après les vacances d'été. Puis là, ils disaient, là, j'ai pensé à mon projet, j'aimerais présenter quelque chose à Claire. Puis finalement, on n'avait plus besoin de faire grand-chose parce que c'était les jeunes qui surfaient là-dessus. Là, absolument. Ça se sent parce que des choses, ça se fait pas faire semblant. Quand le vendredi matin commence par une visite des classes, puis c'est pas un petit 20 minutes stagé, c'est la vraie vie qui se poursuit, mais avec des invités. On le voit, ça se perçoit. On pouvait parler aux élèves, leur poser des questions. Ils étaient fiers de nous en parler. La culture d'école était partout, là. Donc, les élèves au centre. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y avait des groupes qui venaient au colloque ensemble, mais ils faisaient la visite des classes séparément. Ouais. Fait que là, à un moment donné, les gens couraient, sortaient se rencontrer de nouveau, puis là, ils disaient « va voir ça ouais. ». Donc, les autres voyaient des choses que nous, on n'avait peut-être pas pensé importantes ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis je te dirais qu'au niveau des années par la suite, on a parlé au niveau de mobilisation par rapport à se réseauter. Donc, ça, c'est devenu plus important. Donc, je te dirais que la partie technologique, et je ne veux pas dire mis de côté parce que c'était la mission de l'école, ça faisait partie des tripes de l'école, donc ça leur restait. Mais je te dirais que les discussions ont beaucoup porté sur l'humain. Ouais. Donc, comment accompagner des humains dans le changement? Ouais. Parce que c'était souvent ça la question qui revenait, c'était « Roberto, comment ça les enseignants embarquent? » Et comment ça que les enseignants veulent faire ça? Qu'est-ce que tu leur as dit? Ouais. Ben, tu sais, puis j'aimerais mettre la solution d'une boîte puis vendre ça au Walmart, mais c'est juste que c'est pas aussi simple. Puis tu sais, quand je parle de développer un lien de confiance, une culture organisationnelle qui est basée sur la confiance, moi, j'ai beaucoup aimé les travaux de William Glasser sur la théorie de l'autodétermination. Okay. On peut pas obliger les gens à faire des choses. Non. T'sais, ils vont le faire. Si on leur demande, par exemple, de pas quitter l'école avant 4 heures, ils vont le faire, mais ils feront peut-être pas pour les bonnes raisons. Ils vont peut-être le faire pour me faire plaisir ou pour avoir la paix. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens décident de faire des choses parce que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Et puis, dans leur salle de classe, s'ils veulent utiliser une approche pédagogique qui va pour eux donner les meilleurs résultats possibles, ben moi, je leur fais confiance, ils sont payés pour ça. Ouais. Et puis, ça marche dans les deux sens, confiance, dans le sens que moi, j'essaie de jamais dire non à mes enseignants. Puis ce qui est intéressant, c'est que les enseignants me disaient jamais non aussi, donc ça marche dans les deux sens. Ouais. On vise plus que le minimum requis, là, dans le fond, dans ce que tu dis. C'est de mettre les conditions en place pour. On fait de la place pour les talents de chacun, mais aussi les désirs de chacun. Là, ils ont le goût de contribuer. Ouais. Il y a une place pour ça. On donne une voix au personnel. Moi, je te dirais que je voyais mon travail, puis je fais beaucoup d'images quand je parle, mais je voyais mon travail comme un jardinier. Okay. C'est-à-dire que moi, mon travail de direction d'école, c'est de m'assurer d'avoir les ressources pour que le jardin pousse. Donc, d'avoir de l'eau, d'avoir les graines, d'avoir la terre, d'avoir les bonnes conditions. Puis mes enseignants travaillaient avec moi dans ce jardin-là. Puis lorsqu'il leur manquait des ressources, c'était mon travail d'aller frapper aux portes et d'aller trouver ces ressources-là. Donc, j'essayais jamais de dire non aux enseignants si c'était bon pour les élèves. Okay. Puis en fait, c'était un peu comme une loi que j'avais. Si c'est bon pour les élèves, on devrait y aller. Ouais. Super approche. Donc, on regarde. Non, on peut pas être dans le tort quand on pense au bien-être puis ce qui est mieux pour les élèves, c'est clair. Puis la culture du oui, comment on peut dire oui? C'est tellement facile de dire non aux adultes, tu sais. Donc, on regardait l'évolution de Claire. Au début, les gens venaient pour la technologie. À la fin, ils venaient pour voir l'élève au centre de votre pédagogie, dans le fond. Comment le rôle de l'enseignant a-t-il été amené à évoluer? Peut-être grâce au fait que vous aviez ce colloque-là, c'est un événement pour les participants, mais c'était sûrement un processus pour vous. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se passait juste aux dates du colloque. C'était qui vous étiez, qui était mis en valeur pendant quelques jours, mais je veux dire, c'était ça à l'année. Donc, comment le rôle de l'enseignant a-t-il été amené à évoluer grâce à ça? Bien, là, je vais dire quelque chose que je pense que je n'ai jamais dit en public encore. Okay. Je pense que
que le colloque, s'il était bon pour les gens qui venaient participer, excellent, mais je te dirais que c'était aussi bon que pour mes enseignants et mes élèves à l'école. Parce que veux, veux pas, là, comme tu as déjà enseigné, Marius, tu le sais, comme moi, je suis un enseignant de science, le jour que j'ai commencé à comprendre la science, c'est le jour que j'ai commencé à l'enseigner. Parce que quand tu es élève, puis tu écoutes, par exemple, un cours de science, tu prends, on veut juste atteindre, on veut réussir, on est intéressé par les sciences, mais quand tu es obligé de l'enseigner, tu dois te préparer, tu dois être capable de faire face à toute éventualité. Ouais. Je te dirais que mes enseignants, les élèves, se sentaient un petit peu comme ça avec la visite des participants au colloque. Dans le sens que souvent, ils pouvaient, par exemple, juste entendre les commentaires des enseignants qui venaient de d'autres écoles, de d'autres régions. Ils reconnaissaient qu'ils étaient chanceux de pouvoir travailler à Claire. Souvent, ils se posaient des questions par rapport à est-ce que ce qu'on fait est bon, est important et, ouais, et valable. Et souvent, cette confirmation-là venait plus de moi, mais elle venait des gens qui participaient au colloque. Ouais. Les enseignants voyaient la lumière dans les yeux de leurs élèves comme ils ne voyaient jamais avant. Tu sais, tu comprends? C'est valorisant. On voyait pas la même lumière. Ben, c'est ça, c'est valorisant, mais c'est aussi de voir les élèves à un autre niveau que faire des tests de verbe, par exemple. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand je parlais tout à l'heure de William Glasser, c'est que les individus vont aller souvent au-delà de nos attentes. Et puis, c'est la même chose pour les élèves. Donc, lorsqu'on met les élèves en situation d'apprentissage dans des contextes valorisants, ils vont souvent aller au-delà de ce qu'on pensait qu'ils pourraient faire. C'est stimulant, c'est stimulant. Puis, je dois te poser la question fort de tout ce vécu-là. Toujours à voile d'oiseau, on regarde l'évolution de ce colloque-là. Toi, en tant que leader, comment cette expérience-là, c'est une tranche de 10 ans, c'est quand même un tiers de ta carrière, à gérer ça, en plus de rouler une école. Hein, c'est quand même un gros dossier, parce que c'est devenu big comme c'était. Là, comment ça t'a aidé à évoluer en tant que leader? Parce que toi aussi, j'imagine que ça t'a amené à développer, par la force des choses, là, ton leadership. Je te dirais que, tu sais, puis on parle de presque 18 ans à la direction. Ouais. Donc c'est plus que la moitié. Donc, c'est sûr que comme personne, ça transforme quelqu'un. Hein. Ouais. Dans le sens que je pense que j'étais le meilleur directeur d'école possible une journée avant ma retraite. Ouais. C'est-à-dire que j'ai appris plein de choses en cours de route. Je me suis fait mettre à ma place à quelques occasions, puis c'était probablement très mérité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence toujours avec des bonnes intentions. Tu sais, quand on prend un travail comme ça, on voit pas le un peu comme dans un contrat avec une compagnie, on ne voit pas tout ce qui est écrit en tout petit. Hein. Non, non. On oublie que le travail comporte plein d'affaires aussi. Donc moi, je me suis fait une mission assez rapidement qu'il y a des choses que je ferais en éducation puis il y a des choses que je ne ferais pas. Okay. Donc moi, j'étais un enseignant. Je n'étais pas un fonctionnaire. Okay. Puis tu sais, moi, je regarde tout de suite. Malheureusement, on a peut-être beaucoup trop de fonctionnaires en éducation qui travaillent de près ou de loin dans les écoles. Donc, moi, ça a tout le temps été important de demeurer un enseignant. OK. Et puis, tu sais, comme on n'est pas, je sais que dans certaines provinces, par exemple, le syndicat des enseignants n'est pas le même que le syndicat des administrateurs scolaires. Nous, oui, au Nouveau-Brunswick, on a la chance d'avoir les deux sur le même syndicat. Okay. Puis, je te dirais que ça représente beaucoup d'avantages, je pense plus d'avantages que pas, mais ça pourrait être l'idée d'un autre podcast, là, mais c'est juste que il faut ici dire que moi, j'étais un enseignant. Puis j'étais un enseignant qui avait des tâches différentes, qui était un peu libéré pour pouvoir organiser. Je parlais tantôt de mon travail de jardinier. Bien, c'était un peu ça, mon travail. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'étais pas enseignant aussi, parce qu'au Nouveau-Brunswick, dans les petites écoles, souvent, les directions enseignent une journée par semaine minimum. Okay. Donc moi, ça m'est arrivé à plusieurs années. Donc, ça me donnait quand même la chance de mettre en pratique ce que je prêchais à la paroisse, dans le sens que, tu sais, l'utilisation des nouvelles technologies peut,
peut nous aider à motiver les élèves, à les intéresser, à voir plus loin et tout ça. Donc ça m'a donné la chance de mettre ça en pratique. Plus tard, avec le labo créatif, j'ai pris l'initiative de prendre de mon temps d'administration puis aller être là, être présent souvent dans la journée pour pouvoir accueillir les jeunes. Donc, encore là, les gens voient que si tu y crois puis que tu es prêt à t'investir comme ça, ils ont eux aussi plus envie de le faire. Mais je te dirais qu'on parlait tantôt de dire oui, de dire non. Moi, je vois souvent le travail des enseignants comme, je ne sais pas si tu as déjà vu dans un cirque, des tourneurs d'assiettes. Oui. Il y a un bâton, là. Oui, oui. Puis là, on tourne l'assiette. Ouais. Puis le truc, c'est souvent de tourner le plus d'assiettes possible en même temps sur différents bâtons. Puis si vous allez sur YouTube, il y a toutes sortes de clips humoristiques, un petit peu avec de la musique. Donc, on pense que l'assiette va tomber, ouais. mais il réussit à la dernière seconde de la faire tourner. Ouais. Moi, je vois le travail des enseignants un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont plein de bâtons, là, ils ont plein d'assiettes qui tournent, puis on leur demande, là, go, à 8 heures le matin, 9 heures, là, de faire tourner les assiettes, puis il faut que le show avance. Ouais. Et puis, je te dirais que directeur d'école, c'est un peu ça aussi. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a une limite du nombre d'assiettes qu'on peut tourner, puis la limite n'est peut-être pas la même pour tous les individus. À certains moments donnés, il y a des gens qui sont peut-être plus fatigués, puis ils ne peuvent pas en tourner autant d'assiettes ouais. que les autres. Puis il y en a d'autres que les autres, c'est plein d'énergie, puis c'est comme bing bang, on y va. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une limite au niveau des assiettes. Moi, souvent, quand les gens venaient me voir pour me dire, Roberto, j'aimerais faire un nouveau projet, je leur disais, ça c'est Mario Asselin qui m'avait enseigné ça, je leur disais, ben, c'est beau que tu veux faire ce nouveau projet-là, mais qu'est-ce que tu vas enlever de ton assiette Absolument. Pour pouvoir faire cette nouvelle affaire-là? Ouais, ouais. Puis là, ils me disaient, ben non, je vais continuer à tout faire, je ne vais rien. Ben, je disais, à un moment donné, c'est comme un buffet chinois, tu peux pas tout mettre dans ton assiette. Non. Il faut que tu prennes une pause puis que tu y retournes après. S'il y a quelque chose que tu aimes plus, ben, tu y retournes une deuxième, une troisième fois si tu veux, mais tu ne peux pas tout faire ça dans un voyage. Là. Il faut que tu prennes ce temps-là. Donc, c'est d'être là pour les gens, puis des fois d'avoir ce questionnement-là, parce que les gens, comme je te dis, ils veulent tout bien faire, sont excités, ils ont participé à un colloque, ils ont vu quelque chose, ils veulent le faire absolument. Puis moi, mon travail, c'était de les encourager, mais aussi de leur faire réfléchir par rapport à comme est-ce que c'est réaliste? Tu sais, puis ça me fait penser, j'ai beaucoup de directions un moment donné qui m'appelaient, par exemple, pour acheter des imprimantes en 3D. Ouais. Puis je leur disais, vous voulez faire quoi avec ça? Puis ils disaient, on ne sait pas encore. Ben, j'ai dit, vous devriez peut-être réfléchir à ce que vous voulez faire parce que la partie facile quand tu as l'argent, c'est d'acheter l'équipement. Ouais. Mais tu sais, tu te rappelles les tableaux blancs interactifs, tout le monde en voulait. Ah ouais, c'est clair. La partie facile, c'est l'équipement. Ouais. Une fois que tu l'as, c'est comment tu vas revoir ta démarche d'enseignement. Tu sais, à un moment donné, j'ai poigné les nerfs avec les tableaux blancs interactifs dans un colloque provincial parce que c'était ça la question du jour. Puis j'ai dit, tu sais, dans certaines classes, on devrait enlever les tableaux blancs, les mettre sur le côté puis laisser les jeunes jouer au ping-pong. Ça serait la seule façon qu'ils pourraient les utiliser. Là. Ouais. Parce que dans certaines classes, il ne fallait pas que les jeunes touchent à ça, il ne fallait pas qu'ils l'utilisent. Fait tu sais, c'est toute cette le temps, il faut prendre du temps pour réfléchir à ces choses-là. Ouais. À un moment donné, les gens voulaient avoir des portables. Ils voulaient que tous les élèves aient des portables. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'était les iPads. Puis tu connais probablement très bien Nancy Brousseau qui parlait dans une conférence, une activité plate, c'est plate, mais une activité plate sur un iPad, c'est encore une activité plate. Ouais. Donc, tu sais, il faut penser à comment est-ce qu'on enseigne puis qu'on enseigne de façon différente. Moi, je dis souvent, tu sais, les feuilles de travail, les exercices pratiques, c'est comme du macaroni au fromage. Ouais. Tu sais, comme ça peut dépanner à l'occasion, hein, mais on ne peut pas en manger tous les jours. Ouais. J'aime ton image. Du macaroni au fromage, les feuilles d'exercice. Ouais. Tu disais que tu étais le meilleur directeur possible à une journée de ta retraite. J'imagine, j'aime l'image que ça nous donne aussi pour l'évaluation qui pourrait être un autre podcast. L'élève est la meilleure version de lui-même une journée avant le bulletin, tu sais. Si ça pouvait se refléter dans ce qu'on lui communique, ça pourrait être intéressant également à ce niveau-là. Je vois le temps qui file. J'ai 32 questions que j'aimerais te poser encore. C'est extraordinaire d'apprendre à te connaître. C'est vraiment le fun de mettre des mots là-dessus, de te vécu ça de l'intérieur. Moi, en tout cas, d'un point de vue de participant, je suis très reconnaissant de tout le travail qui a été accompli par la communauté. Si c'est parti d'une histoire de girafe, tant mieux.
L'important, je pense, c'est le réseau puis la vague que ça a créé et que ça continue de créer parce que, dans le fond, quand on est touché par ça, on devient faiseur de vagues de notre côté quand on retourne chez nous. Et ça se poursuit, puis on n'a pas fini, on n'est pas sorti du bois, comme on dirait. Donc, plein de travail à faire encore. Puis c'est peut-être pour ça que tu te considères aussi comme un entrepreneur d'école. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait lundi, c'est on l'entreprend, puis il faut le gérer après. C'est facile de décider, là, mais après ça, il faut que tu gères la décision, puis ça a des incidences sur les pratiques, puis sur les personnes. On serait peut-être rendu une portion rafale avant de conclure notre entretien. Si tu le veux bien, je te présente quelques mots, quelques expressions, puis tu me dis rapidement là, ce qui te vient à l'esprit. Ça te va? OK. J'ai peur. Hey, la place de l'élève. Central. Est-ce que tu veux que je l'aborde ou je donne juste que... En un tweet, mettons, là. En un tweet. écoute, c'est la place centrale, c'est la raison d'être. Si ça ne l'est pas, on n'est pas à bonne place. Excellent. Culture d'école. Très important. Faut pas la prendre pour acquis. Il faut l'entretenir. Leadership. Tout le monde est un leader, tu le sais autant que moi. Et puis, si on réussit à emmener nos élèves à être des leaders, on a réussi notre mission. Ce qui va te manquer le plus? Les jeunes. sans aucune hésitation, les jeunes, leur esprit de vouloir essayer, leur curiosité, les blagues. Donc, ça, je manque ça. Mais écoute, je vais m'organiser bientôt pour, j'espère, retourner dans les écoles, faire des choses. Un moment marquant pour toi dans ta carrière? Là, on parle d'éducation. Ouais, donc, un moment important, c'est je te dirais que, vite comme ça, c'est ma rencontre avec Mario Asselin au Québec qui a été un appui probablement plus qu'il pense lui-même. Mais pour moi, Mario a été un phare. OK. Wow. 20 fromages. Beaucoup. J'adore ça. On regarde ça simple. Communauté. Je vais dire le cœur, parce que la communauté, finalement, souvent, on ne choisit pas où on est ou on ne choisit pas où on travaille et tout ça. Et la communauté, c'est les gens qui sont là pour nous. Et puis, on sous-estime souvent... leur intérêt. Et puis souvent, peut-être que la communauté a été blessée dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas embarquer. Donc, il faut faire souvent les premiers pas. Mm-hmm. Mais moi, je n'ai jamais été déçu de la communauté dans le sens qu'ils ils vont encore là, au-delà de ce qu'on peut s'attendre bien souvent. Okay. Il faut oser demander. Oser demander. Mm-hmm. Oui, oui. J'hésite ma prochaine question. Une prochaine étape importante si on se projette dans une dizaine d'années. Tu vois l'éducation aller, même si tu es enseignant à la retraite, tu viens quand même de terminer, tu as certainement des convictions, tu as certainement peut-être une idée de ce qui pourrait aider l'éducation à adopter une posture d'innovateur puis à faire autrement. Qu'est-ce qui serait important de ton point de vue, d'un point de vue systémique, puis pas nécessairement juste au Nouveau-Brunswick? Qu'est-ce qui pourrait aider l'éducation dans les 10 prochaines années? Bien, tu sais, ça revient au terme de dire « voir autrement », dans le sens que c'est un peu ironique qu'un tout petit virus fait en sorte que les gens, tout de suite, doivent faire de gros changements. Là. Okay. Et puis... Moi, ma crainte présentement, c'est qu'on essaye de refaire l'éducation traditionnelle en ligne. Mm-hmm. Et puis, si on fait ça, je pense qu'on ne rendra pas service à personne. Yeah. Ceci dit, il y a des gens qui pensent que des personnes comme moi, on veut éviter l'enseignement traditionnel. Puis j'ai eu une belle rencontre avec Mark Prinsky encore l'année passée, à Fredericton, il se rappelait du colloque et tout ça, puis on a eu une bonne discussion. Puis pour certaines personnes, certains élèves, le modèle traditionnel est important puis va tout le temps l'être.
Donc, ce n'est pas une question de dire on ne veut plus avoir ce système-là. Sauf qu'on le sait, le système traditionnel ne répond pas à beaucoup d'élèves. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète, là, c'est de ne pas être capable de répondre aux besoins de tous les élèves. Donc, on ne peut pas aller juste traditionnel ou juste innovant. On le sait, il y a des élèves que dans un modèle innovant où on parle d'auto-évaluation, puis on parle, ils sont perdus, ils ont besoin du craft dinner tous les jours. Là. Ouais, ouais. Ils veulent avoir ça. Fait que ouais. Ce système-là va continuer. Donc, j'espère que d'ici 10 ans, on va s'apercevoir que les écoles ne sont pas des usines à saucisses. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup dernièrement de performance, de données probantes. Ouais. On parle beaucoup de recherche, de pas faire certaines affaires. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on veut, au bout de tout ça, que nos élèves soient comme une usine à saucisses, c'est-à-dire tout le monde sort de là avec puis qu'on reconnaisse pas le fait que les élèves sont uniques. Ouais. Et puis, j'espère, puis moi, avec Edunovis, ce que je veux faire, c'est que encourager les gens à continuer à avoir cette posture d'innovation-là et de se poser les bonnes questions de est-ce qu'on rend service aux élèves? Ouais. Tu sais, et puis, malheureusement, dans notre système, on est obligé de constater que tout de suite, le système, puis je parle du système, je ne parle pas des gens parce que les gens ont tendance des fois à le prendre personnel, non? Ouais, ouais. Mais je pense que le système tout de suite a beaucoup de choses à faire pour s'assurer que tous les élèves trouvent leur place. Oui, bien le système, c'est du monde. Puis il y a des personnes en position pour peut-être repenser le système. Je regardais un tweet passé ce matin, justement, Stephen Covey, qui disait... Les gestionnaires travaillent dans le système, puis les leaders travaillent sur le système. Je pense qu'on a besoin de gens qui vont travailler sur le système, justement pour qu'ils permettent ce que tu es en train de décrire. Puis on peut avoir le craft dinner au menu, mais il y a d'autres ingrédients, d'autres plats qu'on peut offrir qui vont répondre à tous les élèves à leurs besoins. Donc, De temps en temps, on peut ajouter des petits ingrédients dedans qui vont rendre plus agréable. Oui, c'est clair. Si tu avais un message ce matin pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, si tu avais un message à laisser aux gens, ça serait quoi? Bien, là, on parle aux gens en général dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, les gens qui nous écoutent, peut-être les gens qui se demandent bien, comment on peut innover dans notre milieu, puis comment on pourrait s'y prendre, tu sais, puis... Tu sais, on peut innover, on peut rien faire, on peut suivre, on peut prendre des risques. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut juste qu'à un moment donné, on décide de faire des choses dans le but d'améliorer l'expérience d'éducation pour les jeunes. Ouais. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si on fait ça, on ne peut pas aller mal, dans le sens que c'est l'élève finalement qui va être bien servi par tout ça. Sauf qu'on ne peut pas, par exemple, adopter une posture d'innovation si on ne tente pas des expériences, s'il n'y a pas un peu une certaine marge de manœuvre pour de l'improvisation. Tu sais, si les frères Wright avaient attendu d'avoir des données probantes sur les avions avant de faire le premier vol, on serait peut-être encore à la même étape. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Puis quand je dis ça, j'ai l'impression que les gens disent « Ah, ben oui, toi, Gauvin, on n'aime pas ça. » Ben non, je ne suis pas en train de dire que les données probantes ne sont pas importantes. Au contraire, c'est important, sauf que ce n'est pas la seule chose qui est importante. C'est-à-dire que si on veut que notre système innove, il va falloir donner la chance aux gens d'être innovants. Mm-hmm. Puis, parce que moi, je connais des collègues ou des personnes qui disent carrément, moi, je ne fais pas ça avant qu'il y ait des données probantes. Ouais. Ben, c'est une belle excuse pour rien faire. Absolument. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas tomber dans ce piège-là aussi. Mm. Donc, comme n'importe quoi d'autre, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. Là. Il faut, je pense, avoir une zone où on se permet d'innover, d'expérimenter, d'essayer des choses. Puis moi, j'étais le premier à dire à mes gens, si ça ne fonctionne pas, on va arrêter de perdre notre temps avec ça, on va faire autre chose. Ouais. Donc, il faut aussi regarder ce qu'on fait. Puis je pense que les enseignants, il ne faut pas les sous-estimer. Là. Ils sont capables de prendre des bonnes décisions. Ouais. Pour le bien-être, l'intérêt de leurs élèves. Je l'ai dit tout à l'heure, on les paye pour faire ça. Et puis, j'ai tendance à penser des fois qu'on aimerait qu'ils soient des techniciens de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on aimerait leur donner un programme, un manuel scolaire, puis des fiches d'activité, puis en disant « Faites ça. Livre cette marchandise. » Ouais. Moi, je pense que l'éducation est beaucoup plus que ça. Tu sais, on parle souvent de la taxonomie de Bloom. Là, on veut que les jeunes soient capables de faire beaucoup plus que savoir des choses par cœur puis pouvoir lire et écrire. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Je suis en train de dire que je pense qu'il n'y a pas juste ça, puis il faut emmener les jeunes à un autre niveau. Tellement d'accord avec toi.
C'est extraordinaire. On le souhaite. On le souhaite. Puis je souhaite que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont initier peut-être ces expérimentations-là qui mènent à l'innovation, puis se donner la permission de ne pas l'avoir du premier coup, parce qu'on apprend en faisant ça. Puis on enseigne à nos élèves également qu'ils ont le droit d'apprendre eux aussi. Donc, ouais, vraiment inspirant. Ma dernière question. Oui, vas-y. Juste ajouter, moi, j'avais aussi comme philosophie, c'est pas nécessaire d'aller voir dans une caverne s'il y a un ours. Non. Tu peux demander à quelqu'un qui est déjà allé dans la caverne. Mmh. Fait que des fois, on sauve beaucoup de troubles. Ouais. Donc, si on veut faire quelque chose, essayer quelque chose de nouveau, on peut demander à des gens qui l'ont déjà mis en place. Puis des fois, on sauve un paquet de troubles, puis on avance beaucoup plus vite comme ça aussi. On ne réinvente pas la roue quand il y a des gens qui sont déjà allés où on veut aller. Donc, c'est certain qu'il faut se parler, puis on ramène ça au réseau. C'est clair. C'est clair. Oui. Ouais. Si on ramène ça à l'homme, le retraité, qu'est-ce qu'on souhaite à Roberto Gauvin dans les prochains mois? Écoute, moi, ce que je réalise avec la retraite, c'est qu'avec Edunovis, il faut que j'apprenne à dire non encore. Ouais. C'est pas parce qu'on est à la retraite que tout arrête. Ouais. Sauf que j'ai eu une belle carrière. Et puis, j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui m'ont encouragé. Je parlais tout à l'heure des fonctionnaires de l'éducation. Là, j'ai eu des fonctionnaires qui m'ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup cru en moi. Je sais que ça n'a pas tout le temps été facile, mais j'ai eu la chance d'être entouré puis de m'entourer de gens qui voulaient que ça bouge, que ça avance en éducation. Donc mes souvenirs de mon travail sont vraiment bien, même quand j'étais dans l'Ouest et tout ça. Je te dirais qu'on sait qu'il n'y a personne d'irremplaçable. Il faut préparer le terrain aussi. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça, j'espère, avec le temps aussi. Sauf que je garde de très, très bons souvenirs. J'ai appris de choses incroyables. Écoute, quand je regarde à tout ce qu'on a fait avec le colloque, par exemple, il y a bien d'autres, avec le labo créatif, avec le projet Acadipédia. Donc, il y a plusieurs projets comme ça qui m'ont marqué comme personne. J'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes amis. Donc, je pense pas que c'est négligeable. Ouais. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, dans notre carrière, on arrive à un moment donné que ça fait peut-être plus de sens de rester ou d'être là. Je pense qu'à l'école, tu es au courant, on avait gagné certains prix. J'avais eu la chance de gagner un prix avec Paul Gérin-Lajoie, le prix d'entrepreneur de l'année. Ouais. Et puis, je trouvais que c'était un bon moment pour moi de quitter, c'est-à-dire que ne pas quitter maintenant, c'est peut-être attendre que ça aille moins bien ou que je sois malade ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, je trouvais que le moment était propice. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai eu la chance de travailler pour Cyber Nouveau-Brunswick, qui est une agence provinciale pendant 2 ans. J'ai eu la chance, comme je te disais, de préparer ma retraite. Donc, moi, je garde de très bons souvenirs. Okay. Puis, je souhaite aussi que tout le monde en éducation qui veut terminer leur carrière termine ça sur une note positive. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand ça ne fait plus de sens ou qu'on se voit faire autre chose, je pense qu'il faut faire ces choix-là et ces décisions-là. Puis je te dirais que c'est une excellente décision. Je me sens bien au travers de tout ça. J'ai la chance de trouver de nouveaux passe-temps, de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, je te dirais que rendu à un certain âge, le temps devient plus important que l'argent. Et le passé avec sa famille, les enfants, je pense que c'est précieux. Puis tout de suite, ce que j'essaie de faire, c'est de maximiser tout ça à mon avantage. Ben écoute, je te souhaite des belles prochaines étapes. Je te souhaite de dire non puis de te sentir bien à l'aise là-dedans. Hein, t'as fait... Ça n'a jamais été un problème. Ouais. Écoute, merci tellement d'avoir pris de ton temps dans ton horaire chargé pour venir jaser ce matin. C'est vraiment apprécié. Bien, c'est moi qui l'apprécie. Puis encore une fois, je lance l'invitation. Il y a encore mon blog, robertogauvin.com. Il y a des traces de plein de choses qu'on a fait à l'école depuis 2004. Donc, si jamais que ça vous intéresse. Puis l'autre chose aussi, je te remercie d'avoir pensé à moi. Puis je te souhaite à toi aussi bon succès. Je sais que vous faites beaucoup de belles choses. Vous plantez beaucoup de bonnes graines. Ouais, on jardine. Donc, je vous souhaite de continuer à rayonner. Vous faites un beau travail. Bravo. Ben merci à toi. C'était Roberto Gauvin. À tout le monde est un leader.
Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.